Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance générale. Pardon, j'en perds mes mots, pardon. Allez, on y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages? Alors, les balances ici. Le premier message, on me dit ici que pour certains d'entre vous, vous allez concrétiser un projet. Il peut s'agir en tout cas d'un projet de déménager, de faire bouger les choses, d'avancer pour certaines personnes ici. Alors, ça peut être pour des couples, par exemple. De vouloir emménager ensemble. Pour certains célibataires, ça peut être tout simplement avoir un projet hein, que vous voulez concrétiser ici. Et pour cela, il va falloir déménager. Mais dans les deux cas, ici, pour certains, enfin pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un poids de la famille. J'entends ici deux choses. Soit, au contraire, on s'éloigne de sa famille par rapport à ses projets, que vous soyez célibataire ou en couple, et du coup, il y a ce poids de la famille qui va vous manquer ou à qui vous allez manquer aussi, hein. Donc, ça peut être déjà ça. Mais ça peut être aussi, j'entends ici que ça peut être aussi le poids de la famille dans le sens, si vous êtes séparés aussi, que vous devez partir, par exemple, pour concrétiser autre chose, il se peut qu'on puisse devoir s'éloigner aussi, pourquoi pas, de ses enfants. Et il va y avoir aussi ce manque de la famille. Hein. Voilà. On parle de poids de la famille aussi en lien avec peut-être une non-acceptation de votre relation hein, par la famille. On parle d'une... En fait, ici, on parle en plus de concrétisation et de déménagement. Donc, on peut avoir aussi des personnes qui décident d'emménager ensemble, de se mettre ensemble officiellement, d'habiter ensemble. Et on n'a pas forcément l'acceptation, l'accord de la famille derrière. D'où le poids de cette famille. D'accord ? Pour les célibataires, on me parle en tout cas de concrétiser quelque chose parce que les choses vont bouger et avancer. Je n'ai pas que des changements et des déménagements ici avec cette clé. On parle de choses qui bougent et qui avancent. Et ici, on parle d'un cœur ici et d'un petit morceau de puzzle qui vient ici le compléter. Ici, ça peut être tout simplement quelqu'un de célibataire qui réussit enfin à réparer son cœur, pourquoi pas. Après une blessure passée, hein, d'où le poids de la famille aussi, hein, peut-être réparer aussi des blessures familiales ou pourquoi pas aussi des blessures karmiques, j'entends, puisque on me parle aussi peut-être d'un poids familial de vie passée. Mais on me parle aussi de nouvelles rencontres ici pour les célibataires. On va trouver sa petite pièce qui manquait pour compléter son puzzle. On va trouver sa deuxième partie de cœur, entre guillemets. D'accord ? Donc, et sa deuxième partie de cœur avec qui, justement, il pourrait y avoir une vie en commun un jour. D'accord ? Ça peut être aussi une famille recomposée ici, hein, qui va se rencontrer ou qui s'est rencontrée. On décide d'emménager ensemble et il y a le poids de la famille. C'est-à-dire que peut-être chacun a des enfants respectifs ou l'un des deux a des enfants et qu'il faut quelque part être dans cette nouvelle dynamique relationnelle ici. On en revient à votre général, dynamique relationnelle. Il faut être dans cette nouvelle dynamique relationnelle, prendre de nouveaux repères, apprendre à vivre les uns avec les autres. Alors, on me parle d'une relation instable, d'une situation instable. Pourquoi ? On va voir. Alors, on me parle ici d'une pause, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. Pour pouvoir justement y voir un peu plus clair dans cette situation. On sait qu'il y a de la magie, qu'il y a de l'amour, que c'est vraiment très passionnant. Peut-être que justement, les choses vont trop vite et on a l'impression que tout s'emballe et on prend peur. Et du coup, bah, on a l'impression d'être dans une instabilité, on ne sait plus quoi faire. Et on va faire ce petit temps d'arrêt, cette petite pause ici, juste pour réfléchir, sans forcément se séparer, je vous rassure. On a juste besoin d'octroyer un temps d'arrêt, un temps de pause ici.
On est aussi peut-être dans un couple ici qui, pour l'instant, est dans une relation instable. J'entends pas forcément un couple qui se déchire. Non, non, ce que je ressens ici aussi comme ressenti, c'est qu'on me dit qu'il y a peut-être des couples avec la vie du quotidien, hein, les enfants. On s'est peut-être un petit peu oublié, hein, en tant que couple, en tant que mari et femme, en tant que couple féminin ou couple masculin, bien entendu. Et on s'est oublié ici. Et on me dit ici qu'il est peut-être temps de faire une petite pause temporaire, juste à deux, hein, pour retrouver cette passion et cette magie dans votre couple aussi. D'accord? Alors, on me parle ici d'alchimie, d'attirance aussi mutuelle envers deux personnes. Donc, si vous êtes célibataire, il se pourrait ici que vous rencontriez une personne qui, elle, est dans une relation peut-être instable, mais par contre, avec vous, ça va être vraiment très, comment dirais-je, très attractif. On peut me parler aussi d'une alchimie, d'une parfaite attirance ici, avec un ami ou une amie, quelqu'un qui était jusqu'à présent peut-être votre confident, votre confidente. Et puis finalement, les sentiments sont en train de changer ici aussi. Ça peut être aussi une personne qui est aussi l'ami d'un ami ou une amie d'une amie, enfin, etc., que vous allez pouvoir peut-être rencontrer aussi. Par contre, on me dit ici de la prudence sera nécessaire pour ne pas tomber dans son piège. On me parle ici que, ok, alors ici on me parle aussi très clairement que pendant peut-être une pause ou le temps d'une pause, il y aura par rapport à voilà, cette instabilité dans une relation, pourquoi pas, on me parle ici d'une alchimie, d'une attirance mutuelle avec une tierce personne, mais quelque chose de très passionnel, hein, de très, très envoûtant, très physique aussi, très charnel, pourquoi pas. Et on me dit ici quelque part que c'est pas une relation stable, c'est ça, c'est pas une relation stable ici. Ok, donc deux fois. On me parle d'une relation qui n'est pas stable parce que finalement, il y a que peut-être que du physique qui est là et pas de sentiment du tout. Et du coup, on me dit, bah, soyez prudent par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez avoir besoin, vous, d'un temps de pause, d'une interruption temporaire de cette relation pour en fait y voir un peu plus clair. D'accord? Parce que ici, on ne sait pas trop où on va dans cette relation. Ça peut être un ou une célibataire ici, Balance aussi, qui va rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très passionnel, hein, très très fort, très physique aussi, voilà, enfin quelque chose. Mais on n'est pas dans cette stabilité de relation, hein. On me dit soyez prudent parce que si vous cherchez quelque chose de stable, c'est pas sûr que dans cette relation-là vous puissiez le trouver. Donc peut-être qu'il va vous falloir un temps de pause, un temps de parenthèse pour pouvoir voir un petit peu où est-ce que vous allez. Ok. Alors, on me parle aussi d'enfants déjà, premièrement. Donc, ça peut être, voilà, tout ce qui est lié aux enfants chez les balances. Des enfants arrivés, comme je vous dis, des familles recomposées avec des enfants ici. Des partenaires qui ont déjà, pourquoi pas, des enfants. On me parle avec la carte de l'enfant de la nouveauté aussi, donc des nouvelles rencontres ici pour les célibataires. En effet, hein, on me parle ici d'une rencontre ici, d'une personne qui est divorcée, qui a des enfants. C'est une rencontre par le travail pour certains balances, hein. On me parle ici de quelqu'un chez les balances qui va rencontrer une personne divorcée et qui a peut-être des enfants. Vous en avez peut-être vous aussi. On me parle aussi de surprise. Alors, on peut me parler aussi d'une rencontre par le travail qui a débuté peut-être par une relation un petit peu au départ sans lendemain. C'est une personne divorcée, mais on me parle ici d'une surprise au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'on n'avait peut-être pas prévu, mais il y a peut-être une grossesse à prévoir, hein. Si vous n'avez pas prévu, on me parle d'une grossesse surprise ici. On parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés ici, et qui a aussi une différence d'âge ici pour vous, les balances. On me parle aussi d'une surprise par rapport à une nouvelle personne, à une nouvelle histoire qui arrive pour certains célibataires ici. Ça peut être vous, après votre divorce, qui rencontrez quelqu'un par le biais du travail. On parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés avec vraiment une différence d'âge par rapport à vous. Alors ça peut être une semaine comme ça peut être quelques années. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de nouveau ici sur le plan sentimental aussi.
Bon, alors ici, il y en a pour tout le monde, hein, en fait. Hein. Bah, pour des couples pour lesquels, en fait, tout va bien ici, hein, on me dit en effet qu'il y a peut-être une surprise à arriver. Soit vous allez apprendre aussi la naissance d'un enfant autour de vous, si ce n'est pas vous qui apprenez la vôtre. Ça peut être apprendre que vous allez être grands-parents aussi, ou aussi la grossesse d'un ou d'une amie, enfin voilà. Ça peut être une grossesse autour de vous aussi que vous apprenez. Soit ça va vous surprendre, soit on vous fait la surprise. Et en tout cas, hein, il vaut mieux avoir des gens plus dans la famille que des gens en moins. Alors, ensuite, on me parle ici de prendre votre vie sentimentale dans les mains ici. C'est vous qui avez votre vie sentimentale dans les mains. On me dit qu'il y a une crise à traverser. Il y a quelque chose peut-être de difficile, une petite dépression, il y a une crise de couple, pourquoi pas, hein. Et on me dit ici qu'il va être temps de prendre votre vie sentimentale en main. Parce que c'est vous le capitaine ou la capitaine de ce navire qu'est les relations humaines, c'est vos relations et vous êtes le principal ou la principale acteur-actrice de votre vie sentimentale. Donc prenez votre vie sentimentale en main, me disent les guides ici, pour sortir de cette crise. Pour certains, ça vous permettra en tout cas de prendre un nouveau départ, hein, on va s'envoler ici. Pour d'autres, on me parle de prendre sa vie sentimentale en main ici pour traverser une crise de couple. On parle de couples ici qui ne vont pas forcément très très bien. Ça menace depuis peut-être un moment ici de rompre. Et ici, peut-être qu'on vous dit que la décision va être prise fin novembre ici. On me dit que l'harmonie reviendra après tout cela, la tendresse également, ainsi que la magie ici dans votre vie. Alors, un message étonnant qu'on me donne ici, c'est avec la carte de l'illusion du départ, c'est aussi peut-être comme électrochoc à une personne de faire comme si on allait s'en aller pour pouvoir finalement sortir d'une crise de couple, peut-être que vous vous sentez peut-être négligé, mais l'autre a toujours des sentiments pour vous. Enfin, c'est très particulier comme message, hein, je suis désolée, je le dis quand même parce qu'on me le donne. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Et puis, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça vous correspondra peut-être davantage. Mais on me parle ici peut-être d'un électrochoc qu'une personne a besoin. Alors, ça peut être votre partenaire qui a besoin d'un électrochoc, que vous fassiez comme si vous alliez partir pour finalement retrouver cette harmonie, cette tendresse entre vous, en prenant vous-même votre vie en main, et en lui disant aussi qu'à cette personne, elle doit aussi prendre sa vie sentimentale en main si elle ne veut pas vous perdre, bien entendu. D'accord? Ça peut être l'autre aussi qui vous fait ce coup-là, hein, entre guillemets, pour pouvoir vous faire comprendre que bah, finalement, c'est une fois que cette personne est partie que finalement on se rend compte que on était attaché, qu'on a eu le coup de pied aux fesses qu'on avait tellement besoin pour prendre conscience de certaines choses. Et au final, bah, les choses s'arrangent derrière parce qu'on prend cette. Mais entre guillemets, les guides me disent de ne pas attendre non plus d'aller jusque-là pour prendre cette vie sentimentale entre les mains. Pour pouvoir retrouver cette harmonie, cette tendresse. Vous en êtes capable, l'autre en est capable aussi, hein. L'harmonie, la tendresse peuvent faire partie de votre vie, ce n'est pas une illusion. Au contraire, la magie peut opérer ici, mais il faut sortir de ça. Ça peut aussi être un bon moyen, hein, que de parler aussi à un thérapeute, pourquoi pas. Ça peut être tout seul si ça vient juste d'une personne. Si c'est le couple qui est en difficulté, on peut aussi avoir recours à une thérapie de couple aussi qui peut peut-être aider à renouer un certain dialogue, tout comme vous pouvez vous-même aussi réussir à renouer un certain dialogue. Mais voilà, ça peut aussi passer par la communication ici et surtout par le soutien d'une tierce personne, pourquoi pas. Pas pour prendre un nouveau départ, un nouvel envol dans sa vie sentimentale. On peut me parler aussi d'une personne avec le poids tout à l'heure de la famille. J'entends qu'il y a peut-être ici des balances qui ont dû peut-être partir pour le travail, qui ont dû partir pour des raisons familiales, je ne sais pas. Et il y a une petite dépression ici parce que finalement l'entourage peut manquer. On a besoin d'harmonie, de tendresse et l'entourage peut manquer ici.
D'accord? Donc tenez bon ici pour les balances qui seraient dans ce cas-là, hein, vous retrouverez vos proches très bientôt. Alors le premier conseil, c'est cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien, ça veut dire ici que tout simplement, l'univers est en train de travailler dans les coulisses, que ce soit de votre côté, si vous êtes célibataire, ou du côté de votre futur partenaire. Les choses sont en train de se mettre en place de chaque côté pour pouvoir vous faire vous rencontrer. Si vous êtes en couple, en effet, la synchronisation divine peut toujours être à l'œuvre aussi dans une vie de couple. C'est-à-dire qu'ici, il se passe des choses peut-être pour chacun des deux et qui fait que l'harmonie du couple se poursuit. Il peut y avoir des évolutions pour chacun hein, du couple. Il peut y avoir une évolution pour le couple, hein, comme avoir des enfants, des projets en commun. En tout cas, tout ça est en train de se mettre en place dans cette deuxième partie du mois de novembre pour pouvoir vous amener sur les chemins que vous devez, sur lesquels vous devez être. Alors, le conseil suivant. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et bien voilà, être dans la gratitude, dire merci à l'univers, à vos anges, à vos guides, aux personnes qui sont autour de vous. Dites merci pour toutes les bénédictions d'amour, d'amitié, des personnes en tout cas que vous côtoyez, tout ce qui vous arrive de bien dans la vie, même si c'est un tout petit quelque chose anodin, dites merci à la fin de la journée, à l'univers, à vos anges, à vos guides, à ceux en qui vous croyez. Remerciez-les en tout cas du plus profond de votre cœur pour vous amener toutes ces petites bénédictions dans votre quotidien. Ensuite, on me parle de la passion. Elle est de retour, cette passion, comme tout à l'heure. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, ça veut dire ici que vous pouvez attirer à vous des personnes qui pourraient faire battre votre cœur, mais à qui vous pourriez faire battre votre cœur aussi. Parce que vous avez ce magnétisme en ce moment pour attirer les personnes à vous. Alors, l'autre conseil, c'est l'essoufflement. Ah, on va me parler d'obstacles ici qu'il va falloir peut-être affronter ou surmonter pour cette deuxième partie de novembre chez les balances. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Alors, on va aller voir parce que je trouve le fascicule extrêmement bien expliqué. Alors, obstacle. Carte numéro 9. L'essoufflement. Le symbole, lorsque nous sommes haletants, l'air nous manque, nous devons reprendre un nouveau souffle. L'essoufflement d'une relation arrive parfois sans que l'on s'y attende. Une fois passé le désir et l'amusement, le doux vertige s'estompe en laissant place à un sentiment de vide, d'ennui, voire de déception. Parfois, chacun s'enferme dans la tristesse ou le déni, préférant ignorer la réalité de la fêlure. Quand nous sommes ainsi confrontés à ce genre de lassitudes affectives, la vie peut vite prendre des allures de chant funèbre. Quelque chose semble échapper à notre conscience, l'amour file entre nos doigts. Si l'histoire est ancienne, ce sont parfois des conflits non résolus qui reviennent à la surface. Si la relation est plus récente, l'essoufflement peut être le signe d'une entente fragile ou d'une passion trop éprouvante pour pouvoir durer. Certaines personnes, particulièrement déçues ou solitaires, évitent les engagements et les projets à long terme avec leurs partenaires. C'est une manière pour eux de se protéger de la crainte de s'ennuyer à deux. En réalité, l'ennui vient aussi de nous, de nos propres déserts intérieurs, de nos propres prisons. Lorsque l'autre nous fatigue ou nous irrite, plonger dans nos lieux de désespérance peut avoir un effet libérateur. Les personnes romantiques sont facilement sensibles à la suffocation et au manque d'espoir. Certaines périodes de prodigieuses inspirations peuvent être entrecoupées de moments de repos au cours desquels nous avons besoin de nous ensoleiller et de reprendre notre souffle. Quand nous nous ennuyons avec nous-mêmes, plonger dans les eaux de notre ennui et réchauffer nos eaux au soleil permet de chasser la fatigue. Le message. Cette carte vous indique qu'il est temps de reprendre votre souffle, de mettre les relations au repos pour revenir vers vous-même. Il semble que certaines de vos errances intérieures ne soient pas vraiment comprises. Cessez d'imaginer les pires fatalités et regardez plutôt votre ennui grâce à un travail d'introspection. Dépassez vos obstacles.
Faites le point sur votre envie de vivre car tout se cache dans votre disposition à vivre pleinement vos désirs. Vous avez toujours la possibilité de dépasser les limites de la mélancolie, de la dépression et de la dévalorisation. Dressez une liste de vos motivations profondes, de ce qui vous ressource naturellement, de ce qui vous fait plaisir. Offrez-vous le meilleur afin de revenir ensuite vers les autres, plein d'ardeur et rempli d'amour. Eh bien, on est aussi un petit peu dans ce petit, dans cette carte de tout à l'heure de du temps de pause nécessaire. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez aussi besoin, vous, d'un temps de pause dans n'importe quelle relation. Un temps, une parenthèse pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vous rééquilibrer, pour vous soigner, pour penser vos blessures, pourquoi pas. Et puis, vous serez encore plus après ouvert aux autres. Dans de meilleures conditions et de meilleures énergies pour vous ouvrir aux autres, d'accord? Alors, ça peut être, voilà, aussi pour les couples, ce temps d'essoufflement, besoin de raviver cette flamme, comme je disais tout à l'heure, donc ça peut passer par le fait de partir en un temps de week-end, s'octroyer un peu de temps aussi à deux pour pouvoir retrouver son souffle de couple et raviver cette petite flamme qui peu à peu a diminué au fil des années. Le conseil suivant, c'est écouter de la musique. Eh oui, la musique monte les vibrations ici. Donc, écoutez de la musique, allez écouter de la musique en couple, allez écouter de la musique tout seul, allez écouter de la musique avec des amis. Hein. Entourez-vous de monde pour aller écouter de la musique. Mettez de la musique chez vous, en tout cas, ça va vous aider à monter vos vibrations. Plus vous vibrerez haut et positif, plus vous attirerez des relations positives autour de vous, plus vous attirerez des gens positifs aussi autour de vous. La réponse est simple, écoutez de la musique. La musique est le pont conduisant au ciel et en ce moment, votre esprit vous appelle à profiter de ses bienfaits. Ne laissez pas votre ego minimiser l'importance de la musique pour votre esprit ou vous couper de son carburant. Elle régénère non seulement votre corps, mais élève aussi votre vibration et remplit votre cœur de joie et d'enthousiasme. Mettez de la musique maintenant afin d'accéder à votre moi supérieur et au plan divin de l'inspiration. Elle calmera votre esprit afin que vous puissiez ressentir la guidance intérieure de l'esprit. Choisissez les mélodies les plus inspirantes possibles et observez la façon dont la vie se met à danser selon leur rythme. Recouvrant vos peurs, faites jouer de la musique car c'est la façon la plus énergique de dissiper toute négativité et d'éliminer les obstacles auxquels vous faites actuellement face. Sa vibration libératoire vous permettra de vous détacher de vos vieux schémas qui ne vous servent plus à rien et vous aidera à canaliser la guidance angélique vers votre esprit conscient. La musique calmera le moment présent. Tout en l'écoutant, les forces célestes travailleront en votre nom afin d'apporter un résultat heureux et pacifique. Donc la musique peut être un conseil ici pour vous aider. À vous de voir maintenant comment elle peut vous aider. Et enfin, on me parle de la force de conviction. Eh bien tiens, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Eh bien oui, vous devez avoir au plus profond de vous confiance en vous. Vous devez avoir aussi cette force de conviction que toutes les choses vont s'améliorer, que l'amour est possible pour les célibataires, que les choses peuvent s'améliorer pour votre couple, que vous pouvez en tout cas déplacer des montagnes si vous êtes en couple, que vous pouvez en tout cas rencontrer l'amour de votre vie, votre âme sœur ici si vous êtes célibataire. Mais vous devez être convaincu au plus profond de vous et avoir confiance en vous et en l'univers. Et seulement quand c'est en plus profond de vous, parce que ça prend racine en vous. Et du coup, quand ça prend racine en vous, eh bien ça veut dire aussi que quelque part aussi, vous les créez derrière. Hein. C'est exactement comme les pensées, comme les imaginations, les rêves que vous avez prennent racine en vous et se créent dans la matière. Donc ça veut dire que plus les choses resteront positives, plus vous aurez confiance et foi et force, et plus les choses seront possibles en tout cas. Très jolie carte. En tout cas, voilà les balances. J'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair, à avancer en tout cas sur votre chemin de vie. Je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie de novembre. Merci beaucoup. À très bientôt.